pas arrêté de dire des conneries au moins une fois dans ta vie? Mais c'est pas du tout des conneries, le mec il t'a regardé toute la soirée, t'as pas vu? Il avait faim quoi. T'as pas vu? Sérieux? Mais oui. Mais tu fais genre, mais en fait t'as très bien vu. Tu me fatigues toi. Mais c'est vrai, écoute. Faut voir les mecs quand ils ont faim de toi aussi. Ça me fait rire parce que toi, la vieille meuf qui a essayé de te violer au moins 3 fois aujourd'hui. Qui? Qui? Pourquoi tu fais le mec? Bah, eh ben. Mais de toute façon, y a pas moyen. Même bourré. Bah, même bourré, y a pas moyen. C'est ce que tu dis. Hmm. Attends. Quoi? Y'a quelqu'un là? Y'a quelqu'un là? Ouais, y'a quelqu'un. Mais c'est une meuf! Mademoiselle? Mademoiselle? Vous m'entendez? Ça va? Elle est con ta question, tu vois bien que ça va pas. Mademoiselle. C'est bon. On va vous emmener à l'hôpital. Non, 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 pas l'hôpital. Ça va, ça va. Excusez-moi, mais ça a pas l'air d'aller là. Vous pouvez vous lever? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les flics ou... Non, non. Pas les flics. Pas les flics. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on fait là? Mademoiselle. Arrête, elle a dit qu'elle avait pas besoin de notre aide. C'est bon, on y va. Mademoiselle, on ne va pas vous emmener à l'hôpital. Dites-nous seulement où vous habitez. Ouvre la voiture. J'ai l'impression que je stresse un peu votre ami. Bah disons qu'il n'est pas très aventurier. Si tu veux, je peux sauter là, direct. Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux, non? Oui, merci. C'est pas forcément si évident que ça. D'aider comme ça, quelqu'un qu'on connaît pas, on peut tomber sur n'importe qui. Nadia, elle est hyper aventurière, hein, c'est ça, hein, t'es aventurière, toi. Mais moi, je le suis pas. Elle devrait réfléchir plus souvent, des fois. Égoïste et peureux. Pas forcément une question d'être peureux, juste de faire attention, de savoir s'écouter. Écouter son instinct de survie. Peut-être. C'est étrange l'instinct de survie. Parfois on l'a, parfois on l'a pas. C'est pas ce qui vous est arrivé ce soir, un petit problème d'instinct de survie? Vous faites tabasser et puis vous faites voler votre portable? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles comme ça? Bah quoi, c'est la vérité, non? Non, laissez, c'est vrai, il a raison. Si j'avais su m'écouter ce soir, si j'avais écouté mon instinct de survie, rien de tout ça ne serait arrivé. J'aurais encore mon téléphone, c'est vrai, il a raison. Mais ça va, c'est bon, arrête de me gueuler dessus depuis tout à l'heure. Mais calme-toi, toi, hein, calme-toi. Mais je suis calme, c'est toi qui es pas calme, là. Qu'est-ce qui t'arrive de me parler comme ça, là? Ce qui m'arrive, c'est que cette meuf, on la connaît pas. Il est 4h du matin, ça fait 20 minutes qu'on traverse la ville pour la ramener. Elle veut pas aller chez les flics et à l'hôpital. Pourquoi t'avais besoin de la ramener dans notre voiture? C'est pas notre problème, ça. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais que je la laisse sur le parking, c'est ça? Ben oui, peut-être, elle avait pas besoin de notre aide. Elle pouvait très bien s'ébrouiller. C'est pas le mien. Vous ne répondez pas? Non. Il est tard. Au deuxième feu.
tournerai à gauche. Cette fille-là, je la connaissais pas, mais elle était hyper flippante. Je sais pas d'où elle venait. Et on est tombé inconscient. Elle a essayé de m'étrangler comme ça. Et la voiture, elle est tombée. Elle a dérapé sur le fossé. Voilà. Monsieur, vous vous rendez compte que votre histoire, elle tient pas le bout du tout, là? Vous me dites que vous rencontrez une fille qui, visiblement, est amochée, que vous emportez avec vous dans votre voiture, d'accord? Et qui essaye de vous étrangler comme ça, sans raison? Oui, c'est ça que je vous ai dit. Oui, elle nous a agressés. La fille était très, très bizarre. Et voilà, et je sais que c'est incroyable, mais c'est la vérité, pourquoi je vous mentirais? Non mais attendez, vous la connaissiez cette fille? Elle a pas essayé de vous étrangler comme ça sans raison? Mais bien sûr que non, je la connaissais pas, sinon je vous aurais pas appelé. Attendez, monsieur, Elle était bizarre, cette fille. Écoutez-moi, vous savez qu'on va contrôler votre taux d'alcoolémie, d'accord? Et peut-être aussi la consommation de drogue. Alors si j'avais pris de la drogue et si j'avais bu, est-ce que vous pensez que je vous aurais appelé? Je suis désolé, mais vous m'écoutez pas. Ça sert à rien de vous énerver, d'accord? Bon, montrez-moi les papiers du véhicule. Les papiers, ils sont... Oui, les papiers sont dans le coffre. Qu'est-ce qu'ils foutent dans le coffre? Ils sont dans mon sac, les papiers. Eh ben, montrez-moi ça. Oui, d'accord. Je vous suis. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Je sais pas, c'est pas moi. Qu'est-ce que c'est que ça?